Température extérieure à de 16 degrés. Et là-bas, bienvenue dans ce mercredi 8/6 novembre 2017. Mercredi, c'est en dos. Ça me gratte le dos dans le disque mou. Je sais que vous allez comprendre, l'ordinateur, tout ça, hop. Machine du diable, ça. À pas vouloir se fatiguer, vous comprenez plus rien. Moi, je m'occupe du côté de l'esprit. Chef d'état, mais c'est pas fastoche. Crise de Nice, c'est la galère. C'est ma galère. Mais sinon, ça va. La santé, elle est moléculaire, elle va bien. Tant que tu prends pas de cacheton, tu peux pas être malade. Quand tu commences à en prendre, que t'es foutu. C'est l'industrie pharmaceutique. Tu vois. Mercredi 8 novembre. 2017. Du coup, c'est la deuxième ou la troisième semaine du réveil de l'esprit, mais c'est pas bien grave. J'y arriverai sans pognon. Bien sûr que l'éternel, il aurait besoin d'un peu de pognon. Pour ne pas se payer un tube de colle pour recoller le cyclotron mural. Mais bon, pas trop grave. Je suis encore embrouillé avec Tata, j'ai laissé les clés, il me fait chier de plus en plus, putain. Faire le larbin à pinard tout le temps et... Je sais pas si on te les barre. Merde. Mercredi, c'est jour des enfants. La journée pour moi. Un grand enfant. Un gros enfant. Sortir l'esprit du gosse du placard. Faut travailler, c'est là pourquoi tu veux gagner ta vie quand t'as déjà la vie éternelle. Je suis déjà mort 14 fois. Je suis mon merde. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je comprends le monde de l'esprit, donc t'as qu'à dire. Ouais, on descend pas souvent sur Terre, mais quand on est là, faut pas me faire chier. On brûle plus pour hérésie, on fout plus. Au pire, tu peux prendre un coup de calage dans le dos. Ça, c'est la méthode russe. Bon, en France, non, il tombe carrément un avion pour une personne. Pour noyer le poisson, il tombe 200 personnes, ils en ont rien à foutre. C'est marrant, ils sont toujours tous sous cacheton. J'aimerais bien voir les coups de sang là-dedans. Les mecs qui font des attentats et tout ça. Qu'est-ce qu'ils leur ont donné comme molécule de merde? Hein? Si on en parlait un peu aussi de ça. J'ai eu 48 ans, 4 mois et maintenant 8, 28, 71 et 7 jours. J'ai fait un survol avec Abdeltaplane, tout allait bien, presque. Sauf que le mal par l'argent est vraiment en place. Ils sont pleins, hein, commission trilatérale, BCE, machin, FMI, norme mondiale, commission que tu veux. Ils sont pleins d'avoir prêté serment au diable. Mon Dieu, c'est pas du tout ça. Ils comprennent rien. Tu nais au point A, tu meurs au point B. Ça, c'est la vie de ta viande. Dans l'autre sens, c'est la vie de ton esprit. Pourquoi ils interdisent de boire et là, tout ce que tu veux? C'est parce que c'est le gasoil pour l'esprit, c'est le carburant. Pour pas tomber dans le panneau des brebis, des moutons de panure. Tu vois le truc? Sinon, ça va, hein.
qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Mais il se passe plein de choses que vous ne pouvez pas voir. Il y a 90% du cerveau qui vous sert à rien. Un plus un égale 2. Ça peut faire 11 aussi. Comme 4-1, c'est le 13e nombre premier. Je comprends ma position dans l'espace-temps. J'ai pas l'habitude de mentir. J'aime pas qu'on me raconte des conneries. Je veux un gouverne vrai, je veux un gouverne vrai, j'ai le droit, non ? J'ai des médicaments vrais, Les plantes, c'était très bien. Vous faites que des trucs pour vendre, c'est de la merde. Quand tu donnes, c'est bien. L'éternel n'est pas à vendre. Quand même, faisons un peu de pognon. Hein. Merde. J'aime bien avoir une belle caméra ou un truc qui marche bien, quoi. Du bon matos. Mais mon patron, le problème, c'est qu'il n'est pas sur Terre. Et l'esprit, ça ne paye pas. Pour l'instant. T'as le droit d'y croire. Hein. J'ai vu Claire ce matin. La bonne femme de Luda. Oh. En Aurélien, un ange venu du ciel. Elle était belle comme tout. Elle est sympa. Elle a dû signer des protocoles aussi. Peut-être qu'elle est stressée parce qu'elle est quelque part avant son âme, mais elle le sait pas encore. Bon, enfin, rien à dire, elle est cool. C'est comme le Xapa, rien à dire, ils sont cool. J'ai raté le yoga hier. J'étais mieux dans mon cosmos et je peux rien. Voilà, voilà. Envoyé spatial, porte éternelle. À vous, cognac, j'ai pas. Reporter sans glacière. Et oui, là, en direct. Du 35, entre le 35 et le 37 boulevard de Rixier. La trilogie de quintessence pour monter chez Tata. Ok. Où j'ai laissé les clés. Merde, une journée tranquille de temps en temps, c'est bien.